Nous sommes dans Apocalypse chapitre 15 et comme vous le savez nous allons partager sur euh, les sept coupes de la colère de Dieu. Donc nous sommes dans Genèse dans Apocalypse chapitre 15 à partir du verset premier. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient les sept derniers fléaux, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer, qui était comme de verre, et ayant les harpes, les harpes de Dieu. Il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu Tout Puissant. Tes voix sont justes et véritables, ô roi des saints. Seigneur, qui ne te craindrait et qui ne glorifierait ton nom Car toi seul tu es saint. C'est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car tes jugements sont pleinement manifestés. Et après ces choses, je regardais et voici le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et sept anges qui avaient... Les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur et blanc, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de, du Dieu qui vit au, au siècle de siècle, ou d'âge en âge. Et le temple fut rempli de la fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple. Jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Voilà, donc le chapitre 15, bien sûr, nous parle de ces sept anges que le Seigneur a positionnés. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a sept, sept anges, sept euh, et, euh, trompettes. Euh, voilà, donc euh, on retrouve souvent le nombre sept donc, euh, dans euh, les écrits, euh, dans le livre d'Apocalypse, justement, mes frères et sœurs. Alors, Qu'est-ce que l'on apprend ici On nous dit au verset premier que c'est par ces sept anges, n'est-ce pas, par ces sept fléaux que s'accomplit la colère de Dieu. Et donc euh, on va aller rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre premier, le verset, euh, je pense que c'est le verset 9 Voilà. Alors, Paul écrit aux Thessaloniciens, macédoniens, bien sûr, d'origine, il avait une relation particulière avec ces églises, et qu'est-ce qu'il leur dit Il dit, car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son fils Jésus qu'il qu a ressuscité. Des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Donc parle, Paul, pardon, nous parle de la colère à venir. Donc cette colère n'était pas encore, euh, ne s'était pas, pas encore manifestée à l'époque où l'Église était née, et il nous dit que cette colère est à venir. Et nous sommes dans 1 Thessalonicien chapitre 5. Voilà, je pense qu'on va lire à partir du verset 9. Et Paul dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ. Alors, nous apprenons par rapport à l'enseignement de ce soir, nous allons apprendre que, vous allez, vous allez comprendre que la colère qui est à venir ne concerne aucunement les chrétiens, parce que Paul dit que nous ne sommes pas destinés à cela. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le Seigneur, cela veut dire que le Seigneur va protéger euh, euh, ses enfants, il va protéger l'église. L'église ne sera bien évidemment pas là sur terre, elle sera euh, dans les cieux. Et euh, pour euh, célébrer, bien sûr, euh, les noces, pour participer aux noces de l'agneau, pour prendre part aux noces de l'agneau. Et cette colère, comme on l'a vu, n'est pas encore là, même si euh, Dieu juge euh, de temps à autre les hommes, même si Dieu juge nos pays au travers de toutes ces catastrophes naturelles, toutes ces maladies, tout ça, et tout ce que le monde connaît aujourd'hui. Mais la parole nous, en, nous enseigne qu'il euh, y a une colère qui sera manifestée dans les prochains jours. Cette colère-là, bien évidemment, n'est pas, pas encore là, elle est à venir. Et, euh, et euh, cette colère se traduira par euh, le déversement. Des sept coupes de la colère de Dieu sur le monde. Allons voir dans Nahum, chapitre 1er. On va d'abord euh, lire ce passage qui nous présente euh, le Dieu de la Bible sous un autre aspect. Et euh, cet aspect, on le présente pas forcément beaucoup dans nos assemblées aujourd'hui, parce, euh, parce que tout simplement. Euh, on en a peur, on a peur de cet aspect de Dieu, même beaucoup en ont peur à cause bien sûr de leur vie euh, de péché. Alors Nahum était un prophète que le Seigneur avait suscité pour euh, parler sur Ninive. Et euh, dans le chapitre 1 euh, au verset 2, Nahum dit Yahweh est un Dieu jaloux. Il se venge. Yahweh se venge, il est plein de fureur. Yahweh se venge de ses adversaires et il garde sa colère contre ses ennemis. Alors garder ici signifie aussi euh, réserver. Donc il réserve sa colère, n'est-ce pas, pour ses ennemis. Il garde sa colère contre ses ennemis. Yahweh est lent à la colère et grand par sa force, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. Il y avait marche parmi les tourbillons et les tempêtes. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il réprimande la mer et la fait tarir. Il dessèche tous les fleuves. Le bassin et le carmel languissent. La fleur du Liban languit. Les montagnes tremblent. Ici, bien sûr, les questions euh, des nations. Quand on parle des montagnes ici, prophétiquement, il est question des, des nations, des pays. Donc, les montagnes tremblent à cause de lui et les collines se fondent. Donc, les collines, c'est des, euh, des petites villes. La terre se soulève devant sa présence, dis-je, et tout ce qui y habite. Qui subsistera devant son indignation et qui peut résister à l'ardeur de sa colère Sa fureur se répand comme un feu et les rochers se brisent devant lui. Yahweh est bon, il est une forteresse au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Il s'en va passer comme un débordement d'eau. Il fera une entière destruction de son lieu, et les ténèbres poursuivront ses ennemis. Que projetez-vous contre Yahweh C'est lui qui réduit à néant la détresse. C'est lui qui réduit à néant. Euh, la détresse ne se levera pas deux fois. Car entrelacés comme des épines et ivres de leur vin, ils seront consumés entièrement comme la paille sèche. Voilà. Donc là, Nahum présente Dieu autrement et il nous apprend que Dieu réserve sa colère, n'est-ce hein, pas, à ses ennemis pour détruire ses ennemis. Il, n'est-ce pas C'est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Et, euh, et effectivement, ça fait trembler parce que on nous dit que les nations tremblent. Les et les sept coupes de la colère de Dieu nous parlent de, de cette période, justement, et dont parlent les Écritures, hein, cette période nommée dans les Écritures la Grande Tribulation. Voilà, la Grande Tribulation. Cette période, bien sûr, va durer trois ans et demi, trois ans et demi, et l'Église, bien évidemment, ne va pas la traverser parce que Paul nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Et, euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à cette, cette coupe de la colère de Dieu Dans le chapitre 6 d'Apocalypse, justement. Et euh, Jean va être dans les détails. Et euh, chapitre 16, après le chapitre 16. Voilà. Et j'entendis. Du temple, une voix éclatante qui disait aux sept anges :« Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Les coupes de la colère de Dieu. Pourquoi les coupes Eh bien, cette colère du Seigneur qui se traduit par le déversement de ces coupes est comme une, n'est-ce pas, comme du vin qui doit être bu. Voilà. Et Dieu, n'est-ce pas et euh, va enivrer les hommes de ce monde et euh, et euh, de sa colère voilà et, euh, et ça va être mes amis très 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 dur et euh, voilà donc il euh, a qu'est-ce qu'on y lit justement on peut nous aider par rapport à la lecture au niveau de de l'équipe technique si c'est possible voilà À partir du verset 2, Apocalypse 16. À partir du verset 2. Je la parole. Donc il y a sept, bien sûr, coupes hein, qui seront déversées par sept anges. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et dangereux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Voilà. Et Donc le... la première coupe sera versée sur les idolâtres. Voilà, Dieu est contre l'idolâtrie et Dieu juge, bien sûr, mes amis, euh, euh, juge ceux, celles qui pratiquent l'idolâtrie. On nous dit que le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et dangereux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son, son image. Alors nous sommes dans Exode chapitre 1er. Exode chapitre 20, pardon, verset 1er. 20, chapitre 1er. Verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles disant, Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mmh. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras point, car je suis Yahvé ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mmh. et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, donc là c'est fort ce que Dieu dit ici, donc on va nous trouver en même temps euh, certaines images hein, des gens qui adorent les, les, les hommes, qui s'agenouillent devant les pasteurs, on va montrer toutes ces, toutes ces images-là. Voilà, donc j'avais prévu de, 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 de partager plusieurs coupes ce soir sur plusieurs coupes, et, euh, et là le Seigneur me conduit à beaucoup plus développer sur la première coupe parce que c'est quand même euh, important. Je pense que si, euh, selon que le Seigneur va nous conduire, chaque soirée sera consacrée à une seule coupe pour pouvoir rentrer vraiment en profondeur de euh, la parole. Donc, euh, et euh, les ulcères, euh, les ulcères malins sont ici les conséquences de la malédiction et hein, donc euh, de la désobéissance et on retrouve cela hein, dans on va dans de dans 28' on va, on va le voir plus tard et d'abord on va nous re, nous afficher encore s'il vous plaît les, 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 les euh, le passage d'exode 20 et euh, dieu conduit les hébreux dans le désert de Sinaï et il se révèle à eux sur le sur cette montagne hein, le mont euh, Sinaï. et il leur dit je suis n'est ce pas à partir du verset premier, donc si on peut revenir encore en arrière, s'il vous plaît. Et euh, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis Yahweh, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Et Dieu voulait que les Hébreux se rappellent de cela, parce que et euh, aucun autre Dieu n'a pu les, les libérer hein, de la servitude. Et en tant que chrétiens, nous, euh, nous ne devons pas l'oublier, nous ne devons pas oublier que c'est Dieu qui nous a sauvés. C'est le Seigneur Yeshua qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nous. Et donc nous n'avons pas besoin, nous ne, nous ne devons pas, nous ne devrions pas courir après les hommes et euh, les transformant en idoles, parce que Dieu est contre cela. Dieu n'aime pas ces choses. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras pas d'image taillée. Donc on va nous montrer quelques images, là, si vous les avez euh, trouvées, s'il vous plaît, mes amis. Et euh, l'idolâtrie, hein donc euh, et euh, Dieu est contre cela. Voilà, donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur est, est contre contre cela. Regardez un peu toutes ces images, hein, vous allez voir, et euh, donc même les photos de Jésus Christ de Nazareth, cela constitue une idolâtrie constitue une idolâtrie. Donc, on doit vraiment veiller hein, à ne pas avoir même des soi-disant photos de Jésus-Christ, parce que personne ne l'a pris en photo. Et euh, voilà. Et euh, donc là, nous avons, vous avez les images hein, des, des gens qui adorent carrément. Là, c'est Exode 32, hein, un peu qui nous est relaté là. Euh, voilà, ils ont. Ils vont transformer, ils vont se fabriquer un dieu. Donc, on va vous montrer comment le monde est dans l'idolâtrie. D'abord, on va voir dans la chrétienté, hein, et ensuite on va aller dans les autres, dans les autres religions. Et euh, dans le livre de, pendant que vous montrez les images, là s'il vous plaît, pendant qu'on le fait défiler, et, euh, dans, dans psaume, je vais lire pour, pendant que les images passent, dans psaume euh, 106. La parole nous dit au verset euh, et, euh, à partir du verset euh, premier Louez Yahweh, célébrez Yahweh car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Qui pourra réciter les exploits de Yahweh? Qui, n'est ce pas, et, euh, qui pourrait réciter les exploits de Yahweh, qui pourrait faire retentir toute sa louange? Bénissons ceux qui observent la justice, qui font en tout temps ce qui est juste. Yahweh, souviens-toi de moi selon la bienveillance que tu portes à ton peuple et soins de moi selon ta délivrance, afin que je voie le bien de tes élus, que je me réjouisse dans la joie de ta nation, que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché avec nos pères, nous avons agi dans l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères n'ont pas été attentifs à tes merveilles en Égypte. Ils ne se sont point souvenus de la multitude de tes faveurs. Mais ils furent rebelles près de la mer, vers la mer rouge. Toutefois, il les délivra pour l'amour de son nom, afin de faire connaître sa puissance, car il menaça la mer rouge et elle se, elle se sécha. Et il conduisit à travers les profondeurs de la mer comme dans un désert. Hein, il les conduisit, voilà. Il les délivra de la main de ceux qui les haïssaient et les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvraient couvrir leurs oppresseurs et il n'en resta pas un seul. Alors ils crurent à ses paroles et ils chantèrent sa louange. Mais ils oublièrent vite ses œuvres et ne s'attendirent point à son conseil. Ils furent épris de convoitise. Ils furent épris de convoitise au désert et ils tentèrent Dieu dans le lieu de désolation. Alors il leur donna ce qu'ils avaient demandé. Toutefois, il leur envoya le dépérissement dans leur corps. Ils jalousèrent dans le camp Moïse et Aaron, le saint de Yahweh. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan et recouvrit l'assemblée d'Abiram. Le feu s'alluma au milieu de leur assemblée et la flamme brûla les méchants. Ils firent un veau à nos hein, On va nous montrer l'image de veau, là, du veau. Là. Et euh, ils firent un veau à nos et se prosternèrent devant une image de métal fondu. Et ça, c'est terrible. Et euh, ils firent, je, je relis encore ce passage-là, ils firent un veau à Noreb. Hein, donc si vous tapez le veau d'or, on va retrouver euh, cela. Pas de problème. On va retrouver cette image-là. Et euh, ils firent un veau à Noreb et se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils changèrent. Hein, ils changèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Donc, ils vont carrément changer, ou encore l'hébreu signifie ici aussi échanger. Ils vont échanger leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur libérateur, qui avait fait de grandes choses en Égypte des choses merveilleuses dans le pays de Cam et des choses terribles sur la mer rouge. Voilà. Donc, ils vont échanger la gloire de Dieu contre, n'est-ce pas, l'image d'un animal. Et c'est ce que Paul reprend dans le livre de Romain au chapitre premier. Qu'est-ce que Paul dit à partir du verset 18? Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, à savoir sa puissance éternelle, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils, se sont, mais ils sont devenus vains dans leurs discours et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés aux convoitises de leur propre cœur, de sorte qu'ils se sont, n'est-ce pas, abandonnés à l'impureté, déshonorant entre eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leurs affections infâmes, car. Même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes, laissant de même l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise les uns envers les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense de leur égarement qui leur était dû. Comme... Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement pour commettre des choses qui ne sont, qui ne sont nullement convenables, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malignité, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de, de, querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, rapporteurs, médisants, haïssant Dieu, outrageux, orgueilleux, vain, inventeurs de mots. Rebelles à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, implacable, sans miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, à savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Regardez-moi tout ça, c'est quand même impressionnant. Dieu dit qu'il ne faut jamais, mes amis, adorer quelqu'un d'autre, ni les images ni les objets, rien d'autre que lui seul. Et c'est le premier commandement qu'il a donné aux hommes. Je suis Yahweh, ton Dieu, dit-il, n'est-ce pas, aux Hébreux, et, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée. Les Hébreux ont, fait, euh, ont créé, ont fabriqué un veau d'or. Eh les églises, euh, n'est-ce pas, aujourd'hui aussi ont des veaux d'or. L'Église romaine a des veaux euh, d'or, des statues, de Marie, saints, photos de Jésus tout ça même dans beaucoup d'églises évangéliques ou dites église, les églises dites de réveil on retrouve aussi malheureusement des images et euh, de Jésus Christ et euh, alors que personne ne l'a prise en photo et euh, c'est quand même lamentable c'est quand même mes amis euh, euh, grave et euh, et voilà donc vous voyez Dieu déversera sur les nations la première coupe de sa colère à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est euh, un péché grave. Et, euh, et euh, Dieu est clairement, mes amis, euh, contre l'idolâtrie. Et on nous dit que les gens qui vont être frappés par le Seigneur lorsque le, la première coupe sera déversée, sont ces hommes et ces femmes qui non seulement ont pratiqué l'idolâtrie, mais ils ont également euh, la marque, hein, ils auront également la marque de la bête. Alors, bien sûr, la marque de la bête, nous, dit, les, les, nous disent les Écritures, euh, représente euh, d'abord son nom, le nom de la bête, et, euh, et représente aussi euh, un nombre, hein, donc le 666. Voilà, donc il y a un 6 pour le dragon, un 6 pour la bête, l'homme impie, et un 6 pour le faux prophète. Voilà, donc c'est-à-dire l'église paganisée, la religion mondialiste, euh, syncrétiste, œcuméniste, tout ça. Et vous voyez, et c'est quand même terrible parce que même dans nos assemblées aussi, même, même dans nos réunions, on trouve quand même des gens qui veulent adorer les hommes, même voir nous adorer nous. Et c'est pour cela que nous refusons l'idolâtrie. Des gens qui ne veulent pas se passer des hommes. Un idolâtre est un individu qui a du mal à se passer de son idole. C'est un, un personnage, un homme ou une femme, qui a du mal à se passer de quelqu'un ou de quelque chose. Si vous avez du mal à, se passer à, si vous, avez du mal à vous passer de quelqu'un ou d'une personne, d'une femme, d'un homme, euh, d'un repas, euh, d'un objet, eh bien, vous devenez un idolâtre, tout simplement. Parce que entre l'idolâtre et son idole, eh bien, il y, euh, y a... En fait, un idolâtre, euh, l'idolâtre va être très, très addict, n'est-ce pas Très addict de son idole. Et, 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 et très, très dépendant, et euh, totalement, sur le plan, parfois, euh, émotionnel, euh, spirituel, physique, euh, matériel, financier, tout ça. Et, euh, et voilà, donc... Et on va continuer à montrer l'idolâtrie, même dans le monde. Donc il n'y a pas de souci, les images sont pour nous trouver à chaque fois, pour nous les diffuser. Je pense que les frères auront besoin de toutes ces informations-là. Et, et notre génération, selon les Écritures, sera caractérisée, et c'est déjà le cas, par l'idolâtrie. Et Paul nous dit même dans 2 Timothée, chapitre, chapitre 3, et il dit quelque chose de fort. De Timothée chapitre 3, il dit Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Idolâtres d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe, le culte du corps humain. Et nous sommes dans cette génération, justement, où de plus en plus les hommes veulent ressembler à leurs idoles. Et des femmes sont prêtes à tout pour. Euh, être comme ces modèles, ces mannequins euh, qui passent à la télévision, qui euh, mes amis sont euh, et, euh, soutenus, propulsés par Hollywood, et, euh, et c'est quand même impressionnant de voir à quel point plusieurs générations d'hommes et femmes sont prêts, hein, ces, ces hommes et ces femmes sont prêtes à tout pour ressembler à leurs fans, à leurs idoles, et on, on voit même des chantres soi-disant chrétiens qui vont avoir leur fan club. Hein? Même des, 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 des pasteurs euh, euh, qui acceptent que des gens portent leurs images. Hein? C'est quand même impressionnant. Et la parole est claire là-dessus. Les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Et vous allez, vous allez voir aujourd'hui la plupart des pasteurs, des prophètes mettre leurs photos sur Facebook. Pourquoi Parce que ben justement, nous sommes dans cette génération de l'imagerie. Or, l'image de la bête... Et euh, nous dit Apocalypse chapitre, euh, chapitre 13, euh, recevra, l'image de la bête recevra un esprit, c'est-à-dire cette image sera animée. Et, euh, et nous sommes dans une génération où l'imagerie occupe une place centrale, une place importante dans les foyers, dans euh, nos vies. Et, euh, et donc du coup, ben... Les hommes, au lieu d'élever le Seigneur, comme Jean pouvait le dire, qu'ils croient, c'est que je diminue. Eh ben, ils vont euh, carrément euh, euh, se mettre en avant, mettant leurs propres photographies partout, partout avec leurs femmes et euh, leurs enfants. On voit qu'il y a vraiment ce désir de se faire voir, de se montrer. Alors, je ne sais pas si on a entre images parce que j'ai plus, j'ai plus de retour ici sur le plateau. Et euh, voilà, c'est quand même euh, impressionnant de voir, mes amis. Euh, L'accomplissement hein, de cette prophétie biblique qui nous annonce justement qu'à la fin de temps il va y avoir toutes ces choses-là. Donc, et euh, là, ben, vous avez euh, effectivement des gens qui s'agenouillent carrément devant hein, euh, un semblant euh, de l'arche, hein, et, euh, et euh, tout ça, avec euh, des images d'anges, euh, voilà, et on s'agenouille dessus pour, soi-disant, prier. Je crois même que ça doit être une église évangélique. Voilà, donc c'est vraiment la confusion totale, de la confusion partout. L'idolâtrie, on la trouve pas seulement chez les catholiques, mais elle est même dans, dans dans nos assemblées, dans les assemblées, qu'elles soient évangéliques, pentecôtistes, tout ça, la baptiste, tout ça, et euh, voilà. Donc le et Paul nous dit justement et, euh, que les hommes seront idolâtres d'abord d'eux mêmes, ils vont tellement s'aimer qu'ils vont, euh, mes amis, oublier d'aimer le Seigneur. Et euh, ils vont tellement s'aimer qu'ils vont dépenser des millions pour se faire même, euh, comment dire, pour subir des transformations physiques, hein, de la chirurgie euh, esthétique, tout ça. Et euh, pour avoir une, une apparence euh, attirante, et, et regardez ici dans une église, hein, pareil, une église évangélique, hein, et vous avez un homme qui est à genoux devant ce pasteur et en train de l'adorer carrément. Voilà, en train de l'adorer. Et tout le monde trouve ça normal. Alors que dans les Écritures, quand on lit dans Apocalypse chapitre 19, pendant qu'on vous montre des images là, et là c'est le, le mur de lamentation à Jérusalem, c'est carrément le pape qui met euh, euh, dedans euh, une feuille certainement euh, sur laquelle il y a une demande. Alors que le Seigneur a dit ce n'est plus à Jérusalem qu'il faut chercher Dieu, ce n'est pas dans le temple à Jérusalem, car Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et euh, Jean a failli adorer l'ange qui lui avait été envoyé. Regardez ce que l'ange lui dira pendant qu'on vous montre des images dans Apocalypse chapitre 19. Alors je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis, disait-il, ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voyez Adore Dieu. Et là, on voit, mes amis, euh, des hommes qui acceptent, des prédicateurs qui acceptent que des, des chrétiens s'agenouillent devant eux, se mettent à genoux devant eux, alors que l'ange envoyé par Dieu va dire à Jean, ne te mets pas à genoux devant moi, il va refuser l'adoration de Jean. Et il lui dira, Adore Dieu, l'ange, c'est-à-dire ce messager. Alors, tout messager de Dieu doit refuser l'idolâtrie. Alors, ici, vous avez un bishop, un pasteur africain. Qui prêche, n'est-ce pas? Et on peut même nous montrer la vidéo hein, si vous l'avez. Non, on n'a pas la vidéo. Donc il prêche, il était hein, assis sur euh, son trône, et voilà les idolâtres hein, de cet homme qui arrive et qui le soulève carrément. Comment voulez-vous que la colère de Dieu n'éclate pas? Comment voulez-vous que Dieu ne déverse pas, mes amis, cette première coupe sur euh, les hommes, cette coupe de sa colère qui va, n'est-ce pas, amener, qui va engendrer euh, des ulcères malins hein? Comment voulez-vous que le Seigneur ne frappe pas Alors que nous connaissons tous la parole du Seigneur qui dit qu'il ne faut surtout pas, surtout pas adorer d'autres euh, dieux que lui. Et vous savez que Satan veut toujours se faire adorer. Il aime cela. Il veut usurper, n'est-ce pas, euh, toutes les prérogatives divines. Hein, et euh, là, nous sommes en Afrique. Et euh, un autre prédicateur qui se fait soulever pendant qu'il prêche, n'est-ce pas Glorifier, adorer. Et tout le monde trouve ça normal. Ça ne choque pas tous ces gens qui sont là, certainement. Il doit y avoir certainement deux ou trois personnes qui devaient être choquées, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même euh, alarmant de voir à quel point le diable est assis dans ces assemblées. Comment la parole de Romains 1 s'accomplit, où Dieu dit qu'ils ont remplacé la gloire de Dieu par l'homme. Hein? Ils ont, n'est-ce pas, préféré adorer et servir l'homme, c'est-à-dire la créature, au lieu de du créateur qui est béni éternellement. c'est quand même étonnant. voilà. donc, euh, et euh, on continue, on va vraiment euh, montrer aux frères et sœurs tout ce qu'il peut y avoir, et euh, pour qu'ils réalisent à quel point dieu est juste, parce que souvent euh, on peut se poser des questions quand le seigneur juge quelqu'un ou une nation, ou euh, euh, même quand on lit les écritures, on se dit, mais pourquoi? Euh, euh, certaines personnes peuvent se poser des questions en se disant Mais pourquoi le Seigneur va, euh, n'est-ce pas, permettre à ce que même des villes soient rasées, des enfants, des familles Eh bien, Dieu est juste. Il est question de sa justice. Voilà. Et sa justice est telle que celui qui tue doit être tué. Et heureusement qu'il y a eu l'œuvre de la croix, mais le Seigneur, mes amis, euh, après l'enlèvement de l'Église, va juger le, le, le royaume de l'Antichrist. Voilà. Alors. Et euh, voilà ce que la parole nous dit dans euh, le livre de Deutéronome chapitre 28, pendant qu'on trouve des images là, à partir du verset 15. « Mais si tu n'obéis point à la voix de Yahweh ton Dieu pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. » Le fruit de tes entrailles, le fruit de ta terre, les portées de ton gros et de ton menu bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes pratiques par lesquelles tu m'auras abandonné. Yahweh fera que la peste s'attachera à toi jusqu'à ce qu'elle te consume. N'est-ce pas, sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Yahweh te frappera de tuberculose, de fièvre, d'inflammation, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de l'épée, de sécheresse et de rouille, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Les cieux sur ta tête seront des reins, et ta terre, hein, la terre sous toi sera de fer. Yahweh te donnera pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre qui descendra. Hein, de la poudre qui descendra des cieux sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Yahweh fera que tu seras battu devant tes ennemis, tu sortiras par un chemin contre eux et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras tremblant face à tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la viande de tous les oiseaux des cieux et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne qui les effraie. Yahweh te frappera de l'ulcère, Yahweh te frappera de l'ulcère d'Égypte, Yahweh te frappera d'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de galles et de teignes dont tu ne pourras guérir. C'est terrible. Hein? Donc voyez le verset 27 hein, de Tornom 28, 27, Yahweh te frappera de l'ulcère d'Égypte. Et c'est terrible. Donc voyez bien que euh, lors du déversement de la première coupe, on nous dit que les gens seront frappés d'ulcère. Alors, regardez vous-même ici ce qui se passe, très honnêtement. Dans une église, hein, une église évangélique, et vous avez trois, trois individus qui se disent euh, chrétiens, trois femmes en l'occurrence, il hein, y a aussi des hommes, et qui vont bêtement suivre cet homme. Regardez, il y a une autre qui se rajoute. Mes amis, comment voulez-vous que Dieu ne se mette pas en colère contre de tels agissements hmm Ce sont des démons qu'il faut chasser là. Carrément, ce sont des personnes possédées, y compris le pasteur. Parce que les gens sont à genoux comme ça et, euh, pour le suivre. Et, et, et voilà. Donc, euh, et, euh, on va continuer dans nos recherches. L'heure est quand même assez grave. Et euh, je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne. OK. Donc, euh, et euh, voilà. Donc, Dieu est juste. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre dieu de ma face. Il y a plusieurs types d'idoles. Le premier type d'idole, c'est d'avoir l'homme lui-même qui peut devenir, n'est-ce pas, son propre fan. Qui peut devenir, <laughs> mes amis, euh, 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 son propre adorateur. Paul le dit, les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont tellement aimer leur corps, ils vont tellement s'aimer hein, euh, qu'ils vont tout faire pour ne pas vieillir, qu'ils vont se faire tatouer euh, dans tous les sens. Ils vont se faire, euh, mes amis, euh, et, euh, carrément euh, et, euh, euh, opérer. Hein, on voit des chrétiens, des prédicateurs qui et, euh, vont jusqu'à éclaircir leur peau, hein, des pasteurs qui mettent des produits pour devenir plus clairs hein, et avec des taches sur le visage partout. Et euh, donc le premier, euh, euh, la première idole, c'est d'abord l'homme, c'est d'abord ton corps, c'est d'abord euh, toi-même. Ça peut être nous-mêmes. Et la deuxième, euh, mes amis, euh, idole, c'est aussi euh, euh, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Hein? Et Paul dit justement dans Philippiens 3, il dit dans Philippiens, pardon, il dit :« Il y en a, ils ont pour Dieu leur propre ventre. » C'est-à-dire la nourriture peut tellement et, euh, on peut être tellement attacher à la nourriture qu'on a du mal justement à s'en passer. Et ça devient une idole. Donc, vous voyez, on peut idolâtrer la nourriture. On peut idolâtrer un repas. On peut idolâtrer euh, une maison. On peut idolâtrer, mes euh, euh, amis, euh, la télé, Internet. On peut idolâtrer euh, n'importe quel, quel objet. Voilà. Le ventre nous dit la parole. Est un dieu, un dieu qui demande à être nourri. Vous voyez, on continue à parler de l'idolâtrie, à montrer les images. Je sais que vous faites beaucoup de recherches. Et euh, voilà, il y a ces statues de Bouddha il y en a plein de choses que l'on peut, peut trouver. Et euh, voilà, toutes ces, ces, ces images-là, mes amis, l'homme est devenu tellement fou fou avec du sable, avec du ciment, avec de l'eau. Tout ça, l'homme va se fabriquer des divinités hein, et, euh, et il va se mettre à genoux devant sa propre création. Hein. Excusez-moi, mais quelle euh, quel idiocie, quelle confusion. Et euh, le prophète Isaïe euh, euh, nous dit justement, nous parle de la part du Seigneur dans Isaïe 44. Hein, tout ça. L'idolâtrie tourner autour d'une pierre, tout ça, là, mes amis. Et dans euh, Isaïe 44, qu'est-ce que Dieu dit Le verset euh, et, euh, 9. Les ouvriers d'images taillées ne sont tous que vanité, et leurs choses les plus désirables ne sont que profit. Elles le témoignent elles-mêmes, elles ne voient point elles, et ne connaissent point, afin qu'ils soient honteux. Mais, qu est -ce qui, mais qui est-ce qui, qui, est qui fabrique un Dieu ou font une image taillée pour n'en recevoir aucun profit Voici, tous ses compagnons seront honteux car ces ouvriers-là sont parmi les hommes, sont d'entre les hommes. Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils se tiennent là, ils seront effrayés et couverts de honte tous ensemble. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il le forme à coups de marteau. Et il le fait à force de bras. Même il a faim et il est sans force. Il ne boit point d'eau et il est tout fatigué. Le charpentier étend sa règle et il trace sa forme au crayon avec de la craie. Il le fait avec des équerres et le forme au compas et le fait à la ressemblance d'un homme selon la beauté d'un homme afin qu'il demeure dans la maison il se coupe des cèdres un, du bois et prend un cyprès et avec un chêne qu'il donc c'est un arbre hein, un chêne un arbre qu'il a laissé croître parmi les arbres de la forêt il plante des pins donc pareil de, de des arbres et la pluie les fait croître ces arbres servent à l'homme pour brûler car il en prend et il s'en chauffe il en fait du feu, dis-je, et en cuit du pain. Il en fait aussi un Dieu et se prosterne devant lui. Il en fait une image taillée et l'adore. Il en brûle au feu une partie et d'une autre partie il mange sa chair qu'il rôtit et s'en rassasie. Il s'en chauffe aussi et il dit Ah je me chauffe, je vois la flamme. Puis avec le reste, il fait un Dieu pour être son image taillée. Il se prosterne devant, devant elle, il l'adore et lui fait sa requête et dit, Délivre-moi, car tu es mon Dieu. Ils ne savent et n'entendent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient point, et les cœurs pour qu'ils ne comprennent point. Nul n'entre en lui-même et n'a ni la connaissance ni l'intelligence pour dire, J'en ai brûlé une partie au feu, et même j'ai cuit du pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Fer... Avec... Et avec le reste, ferai-je une abomination Adorerai-je une branche de bois C'est quand même terrible. Et c'est terrible, mes amis, de voir à quel point l'homme est dans la confusion. Nous sommes dans une génération où il y a tellement la confusion, on adore n'importe quoi aujourd'hui. N'importe qui. Alors, bien sûr, ne parlons même pas des musiciens mondains qui sont adorés. N'en parlons même pas, mes amis, de ces musiciens profanes qui meurent comme en Afrique et qui sont adorés. Vous avez pu voir, mes amis, comment les, le monde a adoré Michael Jackson quand il est décédé. Et, euh, on adore les, 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 les idoles au point où parfois les hommes sont obligés de, de cacher carrément euh, leurs tombes, hein, donc cacher les, les tombes de ces idoles pour ne pas justement que ces lieux, ces cimetières deviennent des lieux de culte, de recueillement. C'est quand même la confusion. Nous sommes dans, une, dans, une, dans un monde de fous. Voilà, tout ça parce que ben, les hommes, hein, beaucoup d'hommes ne veulent pas euh, du Dieu véritable. Voilà. Donc, c'est la confusion totale. Euh, voilà, donc on va nous montrer les images euh, chrétiennes, s'il vous plaît, et euh, soi-disant. Pour ceux du monde, Dieu s'en occupe. Et, euh, et Pour que les frères et sœurs se rendent compte de l'état de l'idolâtrie dans les églises évangéliques, des chantres chrétiens, soi-disant, hommes ou femmes. Et euh, comment voulez-vous que Dieu ne juge pas cette génération Comment voulez-vous que Dieu n'intervienne pas Que Dieu ne frappe pas On peut aussi, bien sûr, nous sommes dans une génération où le sexe devient un dieu, ça, ça a toujours été le cas, mais ça s'est accentué. Il y a toute une industrie hein, autour du sexe. voilà. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes s'enrichissent euh, en vendant euh, du sexe. Voilà. Et dans les assemblées, on n'en parle même pas. Et euh, beaucoup de pasteurs aujourd'hui divorcent et se remarient. Beaucoup de chrétiens divorcent et se remarient. Tout le monde trouve ça normal. C'est une génération, de, mes amis, de fous, de malades. et, et et, et Dieu dit ben justement qu'il va déverser sa coupe sur, et euh, euh, sur la terre. Et euh, je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne. Ok, on peut prendre la personne. Voilà. J'ai entendu du temple une voix éclatante qui disait aux sept anges allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et dangereux frappa les hommes. Qui avait la marque de la bête et qui adorait son image. Alors, la marque de la bête, dans les églises, il y a beaucoup là aujourd'hui, hein, croyez-moi. Hein, Ce n'est pas seulement le monde. Hein. Nous voulons d'abord parler des gens du monde, des églises, parce que Dieu a jugé les Hébreux qui avaient la marque de la bête. C'est-à-dire, ils ont adoré à l'époque hein, euh, le veau d'or. Ça, c'était la, 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 la marque de la bête, l'image de la bête. Ils avaient à la fois son image et sa marque, et Dieu les a jugés. Et ceux qui seront jugés ici, c'est aussi bien les gens du monde que des... des, des, des que, que, que les chrétiens mais particulièrement les chrétiens qui vont accepter sans même euh, se rendre compte hein, la marque de la bête et l'image de la bête en adorant leur pasteur, leur bâtiment d'église euh, tout ça là. Oui, allô, bonsoir Allô Oui, allô Allô, allô bonsoir, bonsoir monsieur François. Oui Oui, je voulais simplement savoir la première coupe, est-ce qu'elle n'est pas déjà déversée Parce que comme il y a tellement beaucoup de maladies là Bon, de toute façon, les prophéties se, ré, se répètent à chaque fois. Bien évidemment, on trouve euh, beaucoup de personnes qui souffrent d'ulcères euh, euh, sur Terre. Donc, euh, et oui, Dieu juge, et les coupes se, se, se déversent, mais en tout cas, et, euh, elles seront particulièrement déversées pendant la grande tribulation. Mais toutefois, les, 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 les fléaux dont il est question... Euh, par rapport à ce couple, hein, sont aussi euh, manifestes aujourd'hui. Ok, ok, vraiment merci. C'est ce que je voulais savoir. Merci vraiment. Que Dieu soit béni. Merci vraiment. Que le Seigneur vous fortifie. Merci vraiment. Voilà. Vous savez, à okay. cause yeah, de ce ouais. message, euh, ben, nous sommes euh, attaqués par de partout, mais on bénit Dieu et euh, parce que ça plaît pas, parce que ça dérange, et, euh, et les enfants de Dieu qui découvrent la vérité, ben, on, on veut les intimider pour ne pas qu'ils euh, acceptent la vérité par Hein, ce sont ces pharisiens, ces faux prophètes, ces faux docteurs qui se remplissent le ventre bien comme il faut et avec de fausses doctrines, et euh, dont les femmes chantent, soi-disant, et qui sont de véritables prostituées, de véritables Jezabel, Et, euh, mes amis, euh, qui s'associent et qui retournent à leur vomi, et qui s'associent avec les pasteurs d impies. Nous ne voulons pas nous souiller. Nous voulons rester avec le Seigneur et annoncer le retour du Maître. Et bien évidemment, comme vous le savez, nous n'annonçons pas, nous ne prêchons pas les églises, nous ne vous recommandons pas les assemblées. Nous vous recommandons le Seigneur et son royaume, bien sûr. Oui. Allô, bonsoir. Je crois que ce soir, a beaucoup appel. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, mes amis au niveau de l'équipe technique, continuez dans les images, parce que c'est vraiment important. C'est à vous. Parce que il faut que les frères et sœurs découvrent un peu qu'on fasse un peu le tour d'horizon de nos assemblées aujourd'hui. Allô, bonsoir. Bonsoir frère Chora, c'est le frère Florian de Rouen. Oui. Alors, euh, j'avais un témoignage à faire, il y a quelques temps, j'ai prié parce que je demandais vraiment au Seigneur la crainte de Dieu. Et la nuit, en fait, j'ai été transporté et j'ai entendu euh, plusieurs voix, je ne sais pas si c'était les anges, qui disaient comme ça, glorifiez Jésus-Christ, glorifiez Jésus-Christ, Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ, glorifier. Et ils tapaient tous du pied comme ça en fait ou ils tapaient quelque chose je ne sais pas ils allaient de plus en plus vite comme si en fait ils, ils, ils attendaient quelque chose comme s'ils si étaient en marche en fait. Et, et en fait, vraiment, j'avais besoin de témoigner ce soir, de dire vraiment à tous les enfants de Dieu, vraiment comment, j'avais peur, j'avais vraiment peur, frère hein, j'avais vraiment peur, la présence de Dieu, elle est tellement sainte. Et je me rends compte, c'est incroyable, dans mon cœur, c'est comme si ça battait tellement fort. Je veux que tout le monde entende ce soir ce message, vraiment, le Seigneur, pour le craindre, vraiment, il est tellement saint. Et, et sa présence, quand elle est venue comme ça, et c'était cela que je voulais dire ce soir, vraiment que chacun vraiment se repente le seigneur est à la porte les anges et c'est comme s'il mettait la pression au seigneur ou je sais pas je sais pas mais c'est comme s'il voulait qu'il intervienne en fait tout de suite en fait le, le montant c'est glorifier Jésus-Christ il faut glorifier Jésus-Christ c'est le mot d'ordre. Et que le monde glorifie. C'est justement, comme vous avez dit, pas les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on adore trop les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on adore trop les idoles. Et, et fraîche orage, je, je voulais aussi vous encourager à continuer sur cette voie-là. Maintenant, je comprends pourquoi vous dénoncez comme cela. Je comprends. Parce qu'il faut dénoncer, parce que Dieu veut qu'on l'adore seul en esprit en vérité. Et c'était cela. Et je voulais savoir aussi cette question-là, justement. Est-ce que les anges, ils ont le droit, comment de, 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 comment, de demander au Seigneur, justement, comme ça, d'intervenir, en fait euh, ben, C'est sûr que les anges, quand ils voient tout ce qui se passe sur Terre, la manière dont les églises, euh, la plupart de nos, de, de, de nos églises d'aujourd'hui, euh, se tournent vers l'idolâtrie, les, les anges, bien évidemment, ne sont pas joyeux. Et. Euh, Certainement, ils doivent demander au Seigneur d'intervenir, ça c'est sûr, c'est possible, hein, c'est pas écrit de manière explicite, mais euh, je, le, je pense, c'est possible. Mais euh, c'est plutôt l'Église véritable, les véritables chrétiens qui, en voyant ce qui se passe sur terre, soupirent, soupirent soupire après le retour du Seigneur et, et demandent à ce qu'il intervienne parce qu'effectivement, on n'en peut plus. Amen, oui c'est on est... Moi je suis fatigué, hein. je suis fatigué aussi, pareil, de, de des fois c'est difficile d'avoir l'amour et tout ça pour les pour les les, 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 les les païens, mais le Seigneur il nous demande d'avoir l'amour aussi, la patience, c'est pas toujours facile. Effectivement, et et par sa grâce on va y arriver. Le Seigneur est proche et puis, euh, donc euh, voilà, j'avais vraiment besoin de témoigner, j'avais ça dans le cœur, parce que qu'il est tellement ça, on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on peut rencontrer aussi le lion, quoi. On peut rencontrer aussi, euh, comment le Dieu, comme vous avez dit, qui, qui, qui va se venger. Effectivement, on ne se rend pas va, compte, quoi. De toute façon, il, va, il, va, il, il est en train de, 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 de le faire. On, on voit avec... On voit ce qui se passe dans le monde, tout ça, on comprend que le Seigneur est en train de... De revenir et puis son jugement va être terrible. Donc, merci, frère, en tout cas. En tout cas, soyez bénis. Bon merci. courage. Au revoir. Voilà, donc quand on voit tout ça, mes amis, hein, euh, c'est quand même horrible. Hein. C est, c est, regardez, on va taper euh, euh, Mama 100 jours. Euh, hein, donc, euh, euh, les, les images là, dans, au stade là-bas à Kin, là, je ne sais pas si on peut trouver les images là qu'il y aura, on va le faire cette semaine plutôt, parce qu'il va y avoir une émission spéciale Congo-RDC pour dénoncer un peu les exactions qui s'y commettent là-bas dans ces assemblées complètement paganisées, abominables. Et ce pays qui a reçu un appel assez particulier pour annoncer l'évangile dans le monde et qui malheureusement aujourd'hui donne naissance plus aux faux prophètes, aux. Aux gourous, aux, 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 aux véritables enfants de Dieu. C'est pour cela que je prépare une émission là-dessus. Donc voilà, pour vraiment crier, crier, parce que cette nation souffre beaucoup. Dieu est en train de la juger depuis quelques années. Et beaucoup meurent là-dedans, beaucoup meurent là-bas, et il est temps que les frères et soeurs comprennent pourquoi le Congo-RDC passe par cette souffrance. C'est à cause justement des églises, à cause des pasteurs, à cause des dirigeants, à cause de ceux qui sont censés, mes amis, éclairer les autres avec l'Évangile qu'ils ont reçu. Voilà. Donc, euh, nous sommes sur la première coupe. Hein. Donc, vous voyez que vous êtes beaucoup à réagir ce soir parce qu'effectivement, euh, euh, toutes ces images euh, nous choquent et euh, nous, euh, excusez-moi du terme, mais nous dégoûtent. Nous voilà. Nous horrifient, nous nous révoltent parce qu'on se dit, mais Seigneur, mais et, euh, et comment cela est-il possible? L'homme, bien sûr, est profondément idolâtre. Et euh, nous devons, nous qui prêchons l'Évangile, fuir l'idolâtrie, refuser l'idolâtrie. Et, euh, et, 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 et maintenant, ceux qui l'acceptent, là, c'est un problème. Vous voyez, Paul et, et Barnabas ont été euh, pris euh, pour, pour, pour des dieux hein, dans Acte 14. Et Paul était comparé... Euh, et on disait que Paul était euh, Mercure et Barnabas était Jupiter. Et Paul et Barnabas ont refusé cela. Ils ont déchiré leurs vêtements. Oui, on, on, on peut avoir affaire à des comportements idolâtres. Mais il ne faut pas les accepter. Il faut les fuir. Vous remarquerez que quand quelqu'un se met à genoux devant nous, nous nous mettons aussi à genoux. Ou nous demandons à la personne de se lever parce qu'on ne doit pas s'agenouiller devant les hommes. À part quand on chasse les démons, qu'on leur donne l'ordre de se mettre à genoux devant le Seigneur. Tout ça. Mais euh, un, nous, nous sommes dans un, dans un temps de confusion spirituelle. Et euh, de confusion terrible. Voilà, donc nous allons vraiment rester sur la première coupe parce que voilà, c'est la coupe qui est déversée sur les, les idolâtres. On a quelqu'un en ligne, je crois. Allô, bonsoir. Allô, Allô Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, en fait, j'ai appelé parce que j'aurais aimé savoir. Vous aviez dit que, que en fait, on, on peut être idolâtre de plusieurs choses dont de son ventre, on peut être idolâtre de son téléphone, de la télé, de tout plein de choses. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'était, par exemple, nous, aujourd'hui, les jeunes, on a tous des réseaux sociaux. Et euh, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, on, on, on s'aime soi-même, c'est-à-dire, on va mettre des photos de nous, on va s'exposer, on va faire ci, on va faire ça. Maintenant, est-ce que, par exemple, mettre une ou deux photos, par exemple, dans un site que tous les jeunes utilisent aujourd'hui, par exemple, WhatsApp est-ce que c'est considéré comme de l'idolâtrie, notamment, si on met une ou deux photos ou euh, Enfin, voilà, je veux savoir, quoi. Est-ce que euh, c'est... Est, en fait, c'est... Dès on une photo l l de nous, par exemple... L'objectif, euh, euh, oui. pourquoi vouloir mettre ces photos C'est ces images figées comme ça, là. Et euh, euh, voilà, je, je ne dis pas forcément que ceux qui font ça, ils vont en enfer Ce n'est pas ça, mon message. Il ne faut pas, oh. bien évidemment, que les frères et sœurs interprètent mal mes propos. Mais je veux simplement que ça commence par une photo, une deuxième photo, une troisième photo, et puis on commence à parler de soi-même. Alors que nous sommes, nous qui avons reçu l'évangile, nous sommes là pour présenter Christ. Donc si nous sommes chrétiens et que euh, nous avons des réseaux sociaux ici et là, pourquoi ne pas justement présenter l'évangile simplement Pourquoi ne pas simplement présenter l'évangile Pourquoi vouloir aller se mettre au, au, au devant Il y en a qui diraient, qui diraient mais oui, mais il euh, y a tes vidéos, il y a vos vidéos ici et là. Mais ce n'est pas la même chose. On, quand on annonce l'évangile. Bien évidemment, on va se présenter devant les gens, on s'exprime, on, on, on voilà. Mais là, aller prendre une pause et euh, vouloir présenter ce que l'on fait, ce que l'on est ici et là, et là c'est pas voilà, c'est pas c'est pas conseillé. Donc, ce que nous conseillons aux jeunes qui sont sur les réseaux tout ça, c'est vraiment d'éviter d'aller se faire voir et euh, d'aller montrer euh, leurs enfants, leurs femmes. Et euh, on voit des, des pasteurs qui mettent leurs photos leur photo avec leurs femmes comme ça, on, ils se prénomment couple pastoraux euh, tout ça, c'est pour quoi faire? On montre leurs vêtements, euh, ça, hein, sur chaque photo, il y, 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 y a un vêtement différent. On voit bien qu'il y a une volonté de vouloir euh, plaire, de vouloir montrer, prouver, démontrer. Et euh, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et euh, les réseaux sociaux, euh, si on y va, c'est pour partager l'évangile, ce n'est pas pour partager, euh, parler de nous-mêmes. Vous savez, à la base, ces réseaux ont été mis en place pour que les gens euh, ben, partagent. Euh, parlent de même de leurs histoires personnelles, mais nous qui sommes enfants du Seigneur, ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous, si nous y allons, c'est pour annoncer l'Évangile, c'est pour partager euh, le, le témoignage de la Croix de Christ, et nous devons être en arrière-plan pour que Christ soit présenté. Ok, d'accord, ben, merci beaucoup. Bon courage. Merci, au revoir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres images, mes amis Ok, que je sais que. C'est un sujet assez va vaste, hein, donc, euh, quelle l'idolâtrie. Et, euh, et euh, voilà, ne pas pouvoir se passer de son téléphone pendant quelques heures, c'est aussi euh, de l'idolâtrie, par exemple. Bon, à moins que vous soyez, euh, à moins que ce soit un outil de travail, voilà, mais à un moment donné aussi, euh, il y a besoin de se reposer. On peut se passer de ce portable. Voilà, tout ça, c'est important. Et, euh, et euh, et euh, Dieu nous dit, hein, les écrits, euh, nous dit la Bible, Dieu est jaloux. Voilà. Jaloux. Et il ne veut pas que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et, euh, et les ulcères euh, malins, euh, mes amis, euh, ceux qui sont touchés, ceux qui sont touchés par ce fléau euh, souffrent énormément. Et euh, on connaît un peu l'histoire. Euh, les, les fléaux que le Seigneur a envoyés en Égypte, hein, hein, donc dans Exode, ce que ces hommes ont vécu, ce que les, les Égyptiens ont vécu, et euh, comment Dieu a jugé cette nation. Les amis, c'était pas c'était pas quelque chose de, de, de facile, c'était très très dur. Et euh, voilà. Donc nous sommes euh, dans les Écritures dans exode et euh, voilà comment Dieu a jugé cette nation, comment le Seigneur a, a frappé ce ce pays. Voilà, donc, euh, Exode chapitre 7. Et les Égyptiens euh, ont connu justement euh, le jugement du Seigneur et la puissance de Dieu. Et euh, pourquoi Parce que, donc, si vous lisez Exode 7, Exode 8, Exode 9, et euh, nous allons prendre Exode 9 à partir du verset 8, par exemple. Exode 9, et 8. Alors Yahweh dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse les répande vers les cieux en la présence de Pharaon, et elles deviendront de la poussière sur tout le pays d'Égypte, et il s'en fera des ulcères bourgeonnant en pustules, tant sur les hommes que sur les bêtes dans tout le pays d'Égypte. Hein Vous voyez, il y a du pu en même temps qu'ils sortent. C'est de la pourriture, hein, les ulcères, c'est horrible. Et là, on nous dit que ce sont des ulcères malins. Donc, ça va, couler, ça va dégouliner sur les corps. Hein, il y aura plein de pu sur les, le corps des, des gens. Regardez par exemple cette image-là. Vous voyez, il y aura ce genre d'ulcère. Et encore là, c'est rien. Ça va être terrible, terrible. Merci en tout cas à l'équipe pour vos images. Et euh, Ils prirent donc de la cendre de fournaise et se tinrent devant Pharaon. Moïse la répandit vers les cieux et il se forma des ulcères bourgeonnant en pustules tant sur les hommes que sur les bêtes. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car les magiciens avaient des ulcères comme tous les Égyptiens. Et voyez mes amis, c'est quand même terrible. Hein? Donc on va trouver d'autres images d'ulcères hein? pour que les frères et sœurs se rendent compte de ce que c'est à peu près. Regardez cette souffrance-là. Donc, certaines images, certaines, certaines images peuvent choquer. C'est horrible. Horrible. Imaginez ce que cette personne vit. Hein? Voilà. Et imaginez, ça va être sur tout le corps. Des plaies comme ça, sur tout le corps. C'est horrible. Horrible. Eh bien, chrétiens, nous devons vraiment craindre Dieu. Hein? Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Non, on n'a personne en ligne. Voilà. Alors, ça c'est la première coupe, hein, c'est que le début hein, de la souffrance. Et, euh, et Paul dit que cette coupe, ces sept coupes seront déversées sur les personnes qui auront la marque de la bête. Voilà, des personnes qui auront la marque de la bête. Et, euh, et qui auront non seulement la marque de la bête, mais qui vont aussi adorer son image. Hein, et regardez ce que Paul, ce que Jean nous dit dans euh, Apocalypse 13. Apocalypse 13. Et qu'est-ce que Paul, euh, Jean nous dit ici là Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre des hommes, hein, sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui avait été bien vivante. Elle lui fut donnée de mettre un esprit à l'esprit. Hein, il lui, avait, et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas, hein, tout ceux qui pas l'image de la bête soit mis à mort, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit hein, euh, voilà la bête en question, merci pour les images. Il y a un homme qui a, qui a servi le diable pendant des années. Il était euh, un Illuminati, hein, donc un maçon de plus de 33e degré. Et il me dira que le monde est dirigé par 600 hommes. 600 hommes, 600 hommes. 600 hommes. Le monde, selon lui, me disait, est dirigé par 600 hommes. Et, euh, et il disait, et euh, et euh, il y en a 33 dans chaque pays, 33 dans chaque continent, et on sélectionne les meilleurs, et ils sont 600. Et ça confirme la parole qui dit que c'est un nombre d'hommes. D'accord C'est le chiffre 6. Et, euh, et euh, pourquoi 3-6 Il y a un 6 pour la bête, il y a un 6 pour le dragon, il y a un 6 pour, n'est-ce pas et, euh, et le faux prophète, donc la, la religion euh, écuméniste. Et qu'est-ce qu'on y lit aussi Qu'est-ce qu'on tr trouve Et on nous dit qu on, que l'image de la bête va recevoir un esprit pour qu'elle puisse euh, se mettre euh, à parler. Un esprit, c'est-à-dire un démon, l'image de la bête. Hein, et l'image de la bête, bien sûr, euh, 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 c'est euh, de l'idolâtrie. L'image de la bête, c'est aussi... Il euh, euh, y, y a plusieurs choses qui représentent l'image de la bête. Hein. Hein, c'est Hollywood, par exemple. Hollywood, hein, c'est vraiment l'image de la bête. Euh, Hollywood, la télévision, tout ça, Internet. Et il faut vraiment faire attention pour ne pas en être dépendant, mes amis, de ces choses. L'image de la bête, c'est aussi l'idolâtrie, tout simplement. Il hein, y a plusieurs aspects. C'est aussi l'idolâtrie. Et, euh, et, euh, parce que les Hébreux avaient des images. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre euh, Tu ne feras pas d'image taillée. Donc vous voyez donc l'image de la bête, c'est aussi euh, des objets qui sont euh, adorés, des statues, tout ça. Vous voyez? Et euh, des hommes aussi, des hommes, tout ça. Donc ça fait partie de l'image de la bête. Ce n'est pas seulement le cinéma, la télévision, tout ça. C'est aussi les statues, des images qui sont adorées, des photos euh, de Jésus-Christ, tout ça. Les, ce sont les images de la bête, tout ça. Il ne faut pas euh, en avoir, il faut carrément vous en débarrasser, tout ça. Ce n'est pas euh, euh, biblique. Et euh, regardez. Et ce que la parole nous dit, euh, et, euh, on nous dit qu'il y a aussi la, 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 la marque de la bête, la marque de la bête au niveau de, du front et au niveau de la main droite. Pourquoi le front Si vous lisez dans Deutéronome 6, Dieu disait aux enfants d'Israël qu'il fallait qu'ils aient sur le front euh, euh, un bout de, 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 de quelques versets de la Bible. Hein. Le front, c'est la pensée et la main, c'est le pouvoir ou l'action. Dieu voulait que les actions des Hébreux soient, n'est-ce pas, les résultats. De leur euh, pensée. Nous pensons et nous agissons. voyez Et là, et, euh, l'image de la bête, euh, euh, ben, c'est aussi, hein? aussi le péché. La marque de la bête, pardon, c'est aussi le péché. La marque de la bête, c'est aussi le péché. Et on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. La marque de la bête a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est le péché. Le péché. Et Paul nous dit dans 1 Timothée 4 que les faux prophètes sont marqués au niveau de leur conscience, hein, marqués au fer rouge, au niveau de leur conscience. Et euh, donc la marque de la bête, c'est d'abord le péché. Hein, et, euh, et on reconnaît un arbre à ses fruits, dit le Seigneur. Et euh, la marque de la bête, c'est aussi, euh, mes amis, euh, le nom de la bête que les gens portent. Hein, c'est le, le nom. Et vous savez que les hommes de ce monde vert se faire un nom. Faisons-nous un nom, disaient les hommes de Genèse 11. Et... Euh, la, la, la marque de la bête, euh, mes amis, euh, on, euh, nous dit la parole si on ne l'a pas, on ne peut ni acheter ni vendre. Et la marque de la bête a aussi euh, euh, ce côté euh, commercial. En fait, c'est une taux. La marque de la bête aussi, c'est tout simplement l'argent. Rappelez-vous bien, dans, dans, dans Matthieu 22, le Seigneur pose la question euh, aux, aux Juifs qui lui tendaient un piège. Les Juifs lui posaient la question, lui demandaient s'il était permis de payer l'impôt à César ou pas. Et le Seigneur leur demandera. Euh, de lui montrer euh, euh, une pièce de monnaie, et il leur dira, mais de qui porte-t-elle l'image et l'inscription Le, les Juifs vont répondre, de César. Et il dira, Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on voit que l'image de la bête, euh, c'est aussi la monnaie, hein, l'argent, hein, euh, la, la, la marque de la bête, pardon, c'est aussi l'argent, euh, tout ça, papier, la monnaie, tout simplement. Et si vous prenez vos billets de banque, vous verrez que déçu, il n'y a pas euh, la signature du Seigneur, il y a les images des hommes. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête, c'est-à-dire sans euh, l'argent, hein, les cartes bleues, le chéquier, l'argent monnaie, tout cela, ça, ça fait partie de euh, l'image de la bête. Et, euh, ne vous inquiétez pas, ceux qui s'en servent comme nous autres, comme tous, ne vont pas forcément, ne sont pas forcément en train de pécher mais simplement pour nous montrer que sur l'aspect financier de l'image de la bête, eh ben, mes amis, euh, euh, la, cette prophétie s'accomplit hein, par rapport à la, à, au fait qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans avoir cette marque-là. Voilà. Mais il viendra aussi un temps où euh, on ne peut vraiment rien faire si on ne présente pas aux, aux hommes de ce monde cette marque-là, qui sera bien sûr euh, euh, un mode hein, de fonctionnement. Hein, c'est un, un mode de pensée, une manière de fonctionner. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre de plus en plus. Hein. Il, y a, il y a des catastrophes qui sont provoquées dans le but de nous faire accepter des lois qui nous contraignent à l'adoration, qui vont contraindre les hommes à adorer l'image de la bête, le fonctionnement de la bête. Voilà. Donc, euh, mes amis, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Nous sommes vraiment à la fin. Et euh, c'est pour cela que nous devons prier, prier, nous préparer pour le retour du Machia. Nous devons être corrects, respecter tout le monde, respecter les autorités, prier pour nos autorités, prier pour tout le monde et nous préparer de plus en plus pour le retour du Machia. Euh, sur le plan matériel, la marque de la bête, bien sûr, c'est l'argent. On ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, c'est le cas. Il euh, y a aussi la puce électronique qui n'est pas directement la, la marque de la bête comme beaucoup l'enseignent. Mais plutôt un moyen, bien sûr, pour nous suivre, pour nous tracer, pour nous contrôler. Et hein, donc, euh, on va pouvoir trouver quelques images avec la puce électronique, et, euh, qui sera implantée, euh, euh, bien sûr, euh, qui sera sous-cutanée, hein, donc, euh, au niveau du front, selon euh, euh, certains médias américains, ou encore euh, au niveau de la main droite. Donc, euh, et. Euh, il y a déjà des personnes qui se font euh, euh, planter cette puce pour euh, avoir accès à certaines boîtes de nuit et euh, voilà donc on voit vraiment que c'est là c'est là donc le monde adore déjà le mal de plus en plus le monde est, et même des églises sont complètement plongées dans l'idolâtrie et euh, on adore là ils adorent, ces hommes et ces femmes adorent l'argent qui est devenu aussi euh, qui est un dieu selon la parole et, euh, et euh, adore le matériel hein, donc le, tout ce qui est matériel et, euh, voilà et donc voilà cette puce qui, qui, qui est là, là qui est aussi aussi euh, grande euh, qu'un grain de, de, de riz et, euh, et, et qui va être plantée sous la peau hein, donc euh, voilà et euh, avec cette puce il ben, y, y aura toutes les informations euh, de la personne qui la portera et c'est déjà le cas. Hein. Donc, il y a plusieurs types de puces, hein. Donc, comme celle, celle que vous voyez là, actuellement. Voilà. Donc, toutes les informations, carte vitale, euh, euh, carte bancaire, euh, tout, tout sur vous, tout. Voilà. Et là, ben, vous, les hommes seront euh, suivis par euh, le GPS, hein, par des satellites, hein, depuis l'espace. Et il euh, n'y aura plus un seul endroit sur Terre où, les, où ces hommes pucés pourraient. Euh, se cacher, voilà. Donc, euh, on est vraiment à, à la fin et on comprend pourquoi le Seigneur a, interpelle les églises. Pourquoi le Seigneur nous interpelle, euh, voilà, nous appelle à la, à la, au réveil, à la, à la vigilance, à la prière, à, à la repentance. Voilà. Alors, si, je ne sais pas si vous avez pu trouver un article sur euh, euh, cette puce là au niveau des États-Unis, là. Voilà. Alors Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, je rappelle, j'ai une petite question concernant oui. la marque de la bête. Ok. Donc, euh, euh, comme vous avez déjà dit euh, il n'y a pas longtemps, euh, il y en a ils sont déjà fait implanter euh, la puce. Je voulais savoir est-ce est possible même si le Seigneur n'est pas revenu de, pour eux de se repentir? Bon, disons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la puce électronique n'est pas la marque de la bête par excellence. D'accord. Et, euh, et euh, c'est juste un moyen pour contrôler les gens. La marque de la bête, c'est d'abord le péché. Vraiment, il ne faut vraiment pas l'oublier. Parce que nous parlons d'abord de Satan, nous parlons de, de l'ennemi qui est un être spirituel. Et euh, par exemple, dans Intimité 4, et euh, Intimité 4, nous, nous apprenons que les faux prophètes sont marqués au niveau de leur conscience. Voilà. Donc, euh, euh, c'est d'abord le péché. Et euh, vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui ont euh, qui ont atteint un certain niveau, euh, un certain niveau de péché, degré de péché, qu'il qu est impossible pour pour elles de se repentir. Par exemple, ceux et celles qui blasphèment, par exemple. Voilà, celle-là, là, la parole est claire. Hein, on ne peut plus rien pour, eux, pour, pour, pour ces gens-là. Et euh, maintenant, quelqu'un qui, qui porte une puce, bah, il peut l'enlever, ce n'est pas, pas un problème. D'accord. Mais si on a la marque de la bête, c'est-à-dire euh, la cette marque spirituelle est, euh, dans son cœur, on ne peut plus se repentir, là, c'est fini. D'ailleurs, on le verra tout au long de, de l'enseignement cette semaine. On le verra. Ok, euh, merci bien. Voilà. Bonne bon courage, au revoir. Donc la puce, c'est juste un moyen pour contrôler, pour suivre les gens, pour euh, voilà pour, pour euh, contrôler l'humanité, c'est tout. C est, c est. Et, euh, mais euh, la marque de la bête, c'est d'abord le péché. Hein, L'image de la bête, eh ben, c'est euh, d'abord euh, l'idolâtrie, toutes les images euh, de Jésus, de, des anges. Euh, voilà, les statues de Marie, de saint, tout ça. Euh, c'est aussi Hollywood, hein, l'image de la bête, cette image qui est animée. Hein, euh, voilà, c'est euh, tous ces films qui mettent en avant, euh, en exergue euh, le sexe, par exemple. Voilà, et que les gens, ils sont là devant ces écrans pour adorer le sexe, pour manger le sexe, pour euh, voilà, boire toutes ces, tout ce, tout, toutes ces eaux empoisonnées. Il y a tout ça, donc, euh, cette ima, ces images-là. Et toutes ces photos également euh, des hommes qui veulent. Euh, voilà, se montrer à chaque fois. En fait, c'est l'imagerie. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, mes amis. Voilà. Et euh, l'image de la bête, ben, euh, voilà. Beaucoup de gens euh, sont attachés à ces. À, en sont attachés. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on qu qu fasse attention parce que le Seigneur est en train de revenir. Et euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a pas un article sur l'image sur la puce électronique. Voilà. Donc, je vois que ce soir, vraiment, vous êtes nombreux à être. Euh, toucher à réagir c'est bien c'est bien parce que ça prouve que le seigneur est en train de nous parler de vous parler de vous réveiller voilà et euh donc je dis bien que les sept coupes de la colère du seigneur seront déversées pendant la grande tribulation et euh, pendant la grande tribulation euh, c'est en fait la même, c'est l'histoire qui se répète. Hein, c'est comme les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans le pays de Gozène, hein, dans la terre de Gozène et, euh, et ils étaient épargnés hein, des jugements euh, qui s'abattaient sur euh, l'Égypte. C'est une image de la protection que le Seigneur va accorder à l'Église. Euh, voilà. Et ce sont ceux celles qui, portent, qui porteront la marque de la bête qui seront, bien sûr jugé. Et euh, voilà, donc euh, que le Seigneur soit béni. Je pense que vous avez été euh, encouragé, vous êtes encouragé, fortifié. Et euh, alors là, on a un article. Hein, Sanofi. Hein, Sanofi. Euh, voilà, Sanofi, donc c'est une société pharmaceutique, je crois, si je ne me trompe pas. Et, euh, donc, EFO. La force ouvrière, euh, qui est une, euh, un mouvement syndical, hein, s'inquiète du port obligatoire d'une puce électronique. Et là, nous sommes, bien sûr, le vendredi 22 avril 2016. Voilà. Et euh, des salariés du campus Sanofi-Val de Bièvre à Gentilly se sont rassemblés le 21 avril à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer leur... Géolocalisation permanente via un port, porte-badge équipé d'une puce électronique RF, RFID. La direction prétend que ce système anonyme vise à mesurer le taux d'occupation des locaux. Voilà. Alors, euh, et, euh, la, F, la FO reste sceptique sur les intentions du groupe alors qu'un plan social est en cours. Voilà, donc il y, y a aux États-Unis aussi. Hein, donc si vous tapez puces électroniques aux États-Unis, il y a des articles là-dessus aussi. Vous allez voir que c'est vraiment le c'est la fin. Que le Seigneur vous garde. Soyons vigilants, soyons prêts. Et euh, voilà, c'est ça. Merci. Alors, les US autorisent l'implantation de puces électroniques dans le corps humain. Voilà, donc. Euh, c'est déjà là et euh, c'est autorisé et euh, bon les écritures sont dignes de foi, dignes de confiance et euh, il est temps que vous préparez vos enfants, vos maris, vos femmes euh, au retour du Seigneur. Il est temps que vous vous organisiez en réunion familiale, culte familiaux chez vous avec vos enfants, vos famille pour prier, méditer la parole ensemble et euh, sortons de l'idolâtrie. Et, euh, et je dis aussi aux frères et sœurs qui viennent à nos différentes réunions de, de réveil pour crier, pour annoncer le retour de Yeshua, ne nous prenez pas pour vos divinités, pour vos idoles. Et euh, si vous venez même au programme de réveil et que l'on vous dit que d'autres frères et sœurs peuvent parler avec vous, eh bien, ne refusez pas. Vous êtes libre de refuser. Mais si vous refusez, ne cherchez pas forcément à vouloir que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui prie pour vous. Nous ne sommes pas vos dieux. Nous refusons d'être des idoles. Nous n'avons pas d'autre dieu que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et, euh, et vous constaterez qu'effectivement, les gens qui viennent dans le programme, et on leur dit, s'ils veulent à tout prix, que ce soit moi qui, qui prie pour eux, je leur dis, écoutez, vous vous êtes trompé d'adresse. Parce que si vous venez, parce que... Vous avez entendu dire que le Seigneur guérit et toucha, tout ça, et libère, sauve, guérit. Oui, c'est bien, et, euh, mais nous ne voulons pas être, mes amis, des divinités. Nous n'avons pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ de Nazareth. Et euh, on ne peut pas parler de l'idolâtrie sans bien sûr élever celui qui mérite la gloire, celui à qui toute la gloire doit être rendue. Et, euh, je veux lire juste ce passage et, euh, qui, dans les Écritures, hein, qui nous disent, qui nous montrent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Yeshua. Nous sommes dans Esaïe. Merci pour la, la puce, hein, tout ce qui est les images, là, tout ça, vous avez montré les, les amis. Et euh, Esaïe, chapitre 43. Et euh, les Écritures nous disent ceci et, euh, et à partir du verset 8, à partir du verset 9, que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples soient assemblés. Lequel d'entre eux a annoncé ces choses-là et qui sont ceux qui nous ont fait entendre les choses qui ont été ci devant. Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise C'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Il n'y en aura point après moi. Moi, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai prédit ce qui est de ce qui devait arriver et qui vous ai sauvé, et qui vous ai fait entendre l'avenir quand il n'y avait point de Dieu étranger. Parmi vous et vous êtes mes témoins, dit Yahweh, que je suis Dieu. Et même avant que le jour fût, je suis. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Je ferai l'œuvre qui m'en empêchera. Voilà. Dieu est clair, Dieu euh, le proclame et euh, haut et fort et euh, qu'il est le seul véritable Dieu. Et, euh, et, euh, et voilà. Et le Seigneur l'a proclamé également. Et euh, or, la vie éternelle, disait-il euh, disait dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et 1 Jean 5, 20 nous dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable ou le vrai. Et nous sommes dans le vrai Dieu, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Celui, le vrai Dieu. Et la vie est en elle. Donc Jésus-Christ est le Dieu que nous adorons, que nous servons. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre. Mais nous ne pouvons pas prier et avancer avec vous. Et nous vous respectons, nous respectons vos, vos positions. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes libre. Chacun est libre. Personne ne va vous contraindre, vous obliger à servir Dieu, à prier Dieu. Vous êtes libre de croire en Dieu ou de ne pas croire en lui. Voilà, ça c'est votre liberté. C'est ce que Dieu nous a bien sûr donné comme cadeau. Et, euh, et nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous agenouiller devant les hommes, devant les statues, devant, mes amis, les objets, devant les images, que devant le Seigneur.